C'est-à-dire, dans ce rôle, je suis chargé de développer les partenariats de l'école avec les entreprises et les partenaires privés, en particulier pour assurer une très bonne liaison entre les étudiants et les entreprises qui les emploient ensuite. Je suis là parce que c'est une occasion unique de rencontrer plein d'entreprises qui peuvent être intéressées par nos étudiants. Et il y a plein de gens que je connais dans cette réunion. Et c'est vraiment un plaisir de se retrouver ici. Centrale Paris, à la fois place des étudiants auprès des entreprises, mais a aussi une problématique de recruteurs. C'est-à-dire que nous devons aussi attirer les meilleurs talents à Centrale Paris sur une base internationale. Et pour ça, ça suppose une démarche très structurée, une démarche marketing, qui est relativement nouvelle dans l'enseignement supérieur en France, mais qui va se développer beaucoup dans les années qui viennent. Alors, on a mis en œuvre des dispositifs qui sont sur des médias adaptés à des publics étudiants. Donc beaucoup sur le web, beaucoup sur des chats, des vidéoconférences, et des outils modernes qui sont susceptibles d'intéresser les étudiants et aussi de toucher des étudiants dans des pays lointains. On a commencé sur un certain nombre d'actions sur des formations, notamment de type master. On a également travaillé sur les étudiants des classes préparatoires et les résultats sont très encourageants. Les étudiants sont très, très contents qu'on s'adresse à eux et qu'on leur explique à l'avance quel est le type de formation qu'ils pourraient suivre à l'École Centrale Paris.